Alors dans quel état d'esprit on est le matin comme ça quand on part, c'est le deuxième jour, qu'on a régaté hier, que les conditions étaient franchement pas terribles pour vous parce que c'est pas ce qu'on peut faire de mieux pour vous. On espère qu'il y aura un peu plus de vent aujourd'hui qu'hier. Et puis après, bah, nous, de toute façon, on sait que notre position forcément ne peut pas être devant, donc on s'inquiète pas. Tu les mets bien, ton téléphone ? L'âge du bateau. Mais on a toujours, on aurait toujours bagarré avec 2-3 bateaux derrière, donc on s'amuse bien. Hein. Il va falloir être fin sur les manœuvres. Il y a deux mondes dans cette course, donc on fera le mieux possible avec les atouts qu'on a. On va essayer de tirer nos épingles du jeu. Parce qu'à la course des professionnels, des bateaux récents, et après il y a la course des anciens bateaux comme nous qui essayons de se battre comme on peut. Mais c'est toujours plaisant. Le bateau n'est pas très pratique pour des petits parcours comme ça. Ergonomiquement, il n'y a pas beaucoup de place, il faut chacun sert sa place en fait pour pas gêner l'autre, pour pas gêner le barreur. C'est pas facile, mais l'un dans l'autre, on arrive toujours à se débrouiller. Puis maintenant, de plus en plus, on commence à avoir des équipiers qui viennent plus régulièrement, qui commencent à connaître le bateau mieux. Donc ça aide dans les manœuvres un peu mieux. À une époque, à chaque fois, c'était de nouveaux équipiers, donc le temps qu'ils prennent le bateau, qu'ils commencent à se battre. Et puis bon, on essaye de trouver ça, chacun sa place. Quoi. Nous sommes basés à Fécamp et on sort les samedis et les dimanches très régulièrement avec les équipiers et les membres de la Société des Régates de Fécamp. Et avec, grâce au port de plaisance et au port de commerce de Fécamp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. C'est chaud. Bon, alors ce départ, ça s'est passé comment là ? Il y avait beaucoup de monde sur la ligne et puis en plus, comme ça a été un peu juste, je suis pas sûr que les bouées étaient bien placées. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à la deuxième bouée, à tout le monde partir bâbord, avec des bateaux à tribord, enfin c'était un peu le bazar. Mais ça s'est bien passé, ça n'a pas trop râlé. Et là, ouais, la volonté de lâcher le refus de priorité On va pas faire casse bateau quand même parce que on y tient nos bateaux. Donc à chaque fois on accepte le jeu, heureusement, parce que si après si c'est trop au contact, après tu vois pas, c'est vraiment trop dangereux, on n'est pas là pour casser nos bateaux. Ils vont quand même un petit peu plus vite que nous. Mais bon, on est assez groupés quand même malgré tout. Donc après, il va falloir voir au fur et à mesure des virements de bord, des. Faut qu'on prenne nos marques. Des autres.